Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? Je suis contente de vous retrouver. Marche. D'accord? Droite, gauche. Tout à l'heure, on va faire un petit jeu de pied. Ne paniquez pas si vous n'êtes pas du bon côté, si jamais ça ne fonctionne pas tout de suite. C'est tellement pas grave. OK? À la limite, gardez la marche le temps qu'il faut pour comprendre le mouvement. D'accord? Alors, vous savez que c'est 15 minutes d'entraînement, donc c'est vite fait, bien fait. Échauffement d'abord, suivi de trois mouvements. Oui, trois mouvements. Plein d'options avec et sans saut. Alors, je vous souhaite vraiment de profiter du moment présent. Appréciez le processus. Ayez pas trop hâte à la fin, même si à la fin, ce qui est chouette, c'est ce sentiment de bien-être. Le sentiment aussi d'avoir accompli quelque chose déjà dans la journée. D'accord? Peu importe que vous fassiez vos entraînements très tôt le matin, plus tard en soirée, dès qu'on a fini un workout, un entraînement, on se sent bien. C'est comme check, mission accomplie, on a fait ce qu'on devait faire pour prendre soin de soi. Ça va? Donc, marche ou jog. Le premier pas, ça va être ce qu'on appelle un ou ferme. Moi, je vais le commencer du côté droit. Je vais le faire en sautillant ou sans saut. Puis vraiment, là, je vous laisse le mouvement, vous le faites comme vous le sentez. Ou et ferme. Ça va? Est-ce que la cadence est correcte? J'espère que oui. Si jamais vous avez besoin de le ralentir, faites-le vraiment. C'est votre workout, OK? Vous ouvrez, vous fermez. Je peux le rendre un petit peu plus dynamique. Je peux le rendre un petit peu plus fitness, danse aérobique, on va dire. Donc, voyez-vous ce que je viens de faire? Je l'ai changé. Au début, je le faisais plus petit, les pieds plus près du sol. Ensuite, j'ai soulevé davantage. J'essaie de ne pas faire de bruit. Imaginez que vous êtes sur une scène. Ben non, c'est pas grave. Vous pourriez faire du bruit, mais ce que j'aimerais, c'est que vous contrôliez bien votre mouvement. OK? Si j'en veux plus, si vous en voulez plus, ouvre, ouvre, ferme. Oui, c'est chouette. Encore. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Si je veux le faire un petit peu plus bas, il y a ça ici que vous pouvez faire en tout temps. Ouvre, ferme. Ça va, ça? Jumping jack. Ouvre, ferme. Je remonte un peu le pantalon parce que le micro, la boîte du micro, le fait descendre. 8. 6. Vous êtes prêts? Jogging, jambe gauche. Et j'ai déjà pointé, hein? Vous savez ce qui s'en vient, en fait. C'est le haut ferme du côté gauche. Gardez-moi un petit jog. Pensez respiration. Paniquez pas si ça rentre pas tout de suite. C'est pas grave. Haut ferme. Ce qui est grave, c'est d'arrêter, d'abandonner avant d'avoir essayé. OK? Donc, vous avez plusieurs alternatives ici. On lève, on lève. On ajoute son style. Alors, je pourrais le faire plus hip-hop. Est-ce que vous aviez fait du hip-hop? Ouvre et ferme. Ouvre, impliquez vos abdos, descendez les épaules. Oh, je l'aime. Je l'aime celui-là dans ce petit style hip-hop. Ça va? 8. Suivez la cadence ou pas. C'est un mouvement athlétique. C'est moins grave si on n'est pas dans la musique. Si je le veux un peu plus bas, plus squat. Plus que 8. 8. 7. Non, si je vais appeler le mouvement piétine, d'accord? Est-ce que ça vous dit quelque chose? 4. 3. 2. Piétine, regarde. Piétine. Restez là. Tout bouge, mais c'est correct. J'implique mes abdos, je sens le travail bas du corps. 8. Le plus vite que vous pouvez. 4. 3. On se retrouve au prochain segment. Suivez-moi dans le burpee. On s'installe les pieds un peu plus larges que les hanches. Vous descendez. Jusque-là, ça va? On est en planche, mais on va remonter dans pas long. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est ce qu'on va faire entre ces deux mouvements-là. Venez placer votre pied sur le côté. Si vous avez besoin de le faire, vous descendez le genou. D'accord? Vous revenez. Vous replacez. Vous revenez. Vous remontez. Jambes pliées ou allongées. OK? On y va. Vous descendez. Vous restez là. Allez, amenez votre pied sur le côté. Vous revenez. L'autre côté, ajustez en votre position. Personne ne vous oblige d'être à une certaine largeur. Vous remontez. Moi, j'aime bien les pieds un peu plus larges. Vous descendez. Pied côté.
pied côté et vous revenez tout doucement et vous replacez. Vous replacez votre planche, jambes sur le côté et reviens. En fait, j'ai vraiment pas d'objection à ce qu'on le fasse plus lentement, celui-là, parce que ça vous donne la chance de bien le faire. Vous revenez, vous remontez. Respirez bien, vous descendez. Pensez à votre planche, l'alignement épaule-hanche. Je peux même aller monter ici le bras. Je redescends. Position planche. Change de côté, la tête est en prolongement du dos. Vous allez voir, plus on le fait, mieux on sent. Êtes-vous d'accord? Vous remontez, vous allongez. On descend. On va sur le côté. On monte. On redescend. On change. On lève. Et on remonte tout doucement. On refait ça. Vous y allez vraiment comme vous le sentez. Position planche, plus vite ou plus lent. Mais faites des belles lignes. Finissez votre mouvement du mieux que vous pouvez. Et revenez. Vous gardez les jambes droites sur le retour si c'est possible. Vous descendez. Ici. Allons, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est tellement bien. Pour plusieurs raisons, il est très complet. Il vous amène à travailler l'endurance musculaire, mais également la souplesse. Super important, la souplesse des muscles. Je l'accélère un peu juste pour le plaisir. Je m'en parle dans le mot, mais pour vrai, c'est le fun. J'aurais même pu ajouter un push-up. Je le ferai pas cette fois, d'accord? Prochaine fois. Souriez. Poussez le nombril vers la colonne. On fait-tu un push-up? Non. Mais j'y ai pensé pour vrai. Deux autres fois, d'accord? Place, lève. Place, lève. Remonte. Redescendez ça en planche. On va se retrouver ici. Restez en planche. Regarde les genoux. Descends, monte. Voyez-vous que les hanches ne bougent pas? Je vais garder la tête en prolongement du dos parce que je voudrais pas montrer un exemple qui est pas le bon. Le sentez-vous? Ça shake-tu un peu? Aïe! Vous êtes pas mal bon. Encore 8. Pour vrai, je donne pas de compliments gratuitement, je vous promets. On est rendu à quoi? Aïe! 4. Descendez les épaules. Aouh! C'est plus que 3. Ça devrait pas être souffrant. Je fais des blagues, ça devrait juste être inconfortable. On se retrouve au prochain segment. On est déjà rendu au troisième segment. Suivez-moi, vous êtes sûr? Les fesses, les mains sont par terre. Je vais vous demander de lever la jambe, de la descendre. La largeur des pieds m'importe peu. OK? Allez là où vous sentez que vous êtes bien. Est-ce que je peux déjà juste l'accélérer? Vous soulevez vers le plafond. Lève et descend. On ne force pas le dos. On garde une belle posture. Vous levez et vous descendez. Vous savez que ma mission, c'est de vous trouver des exercices qui sont chouettes à faire, qui sont efficaces à faire dans un entraînement express et qui sont variés parce qu'on ne veut pas s'ennuyer. On veut toujours découvrir des nouvelles choses. Lève et descend. Implication des jambes et des bras. Encore. Up. Oui, le sentez-vous? Encore. 8. J'attendais votre réponse. 7. Maintenant, dans quelques instants, je vais ajouter un élément d'équilibre, de coordination, je devrais dire. Touch. Il a l'air super facile, d'accord? Mais c'est un peu trompe-l'œil parce que il a l'air facile juste quand on est physiquement capable de bien le faire. Alors, c'est pas parce qu'il a l'air facile que c'est facile. Donnez-vous le temps de voir comment ça se passe pour vous. Revenez à la version précédente. Ha! Encore. Est-ce que c'est dur de sourire sur celui-là? Des fois, à la fin, comme ça, troisième segment, on est plus fatigué. On perd l'équilibre. Moi-même, je suis en train de bouger sur le tapis. Je le refais quelques fois. Si ça bouge trop, vous êtes sur une surface de... sur un tapis, par exemple. Hop! Puis l'enlever. 6. Souriez. C'est pas grave si ça bouge. C'est pas grave. 4. Tant qu'on fait ça dans la sécurité. Woo! You know what? J'ai envie de vous dire, continuez donc juste un petit peu. On est si bien parti, avec conviction, il en reste 6 pour vrai. Je vous promets que c'est vos 4 derniers. 4, 3, excellent, 2. Donc, il y a même un élément de transfert de poids là-dedans. Bien joué, on passe aux étirements. Suivez-moi, on s'en va étirer les hanches.
un étirement que j'aime bien. Allez positionner une jambe devant, la jambe qui est derrière, vous la laissez doucement reculer. Ça va jusque-là? Le sentez-vous au niveau du bassin? Inspirez, expirez. Maintenant, je vous descends sur les avant-bras. Respectez vos limites, mais sachez qu'on est effectivement dans une position inconfortable. Respirez, descendez les épaules, pensez à votre posture. Ça va? Je suis en train vraiment de vous laisser le temps de ralentir votre respiration puis d'être très, 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 très alerte par rapport à votre positionnement, votre posture. Descendez les épaules, allongez le cou, allongez la colonne. Inspirez. Sur l'expiration, vous pouvez même essayer d'aller un petit peu plus loin. Qu'en est-il pour vous? Ça va? On est rendu, hein? Dites-vous ça. On est presque rendu à la fin. Je peux même allonger un petit peu plus. Je le fais, mais c'est plus dur pour moi de vous regarder. On descend. En descendant, essayez de garder une belle distance entre les épaules et les oreilles. Je ne garde pas trop longtemps parce qu'il nous reste un côté à faire. D'accord? On change. Les étirements sont chouettes à faire sans souliers. Si jamais vous avez envie de les enlever, là, n'hésitez pas à le faire. Donc, on est rendu de l'autre côté. Souvent, il y a un côté qui est plus confortable. Vous voyez, c'est lequel? Pour connaître encore mieux vos forces et vos faiblesses, pour savoir sur quoi travailler. Inspirez et expirez. Maintenant, remarquez que des fois, la mâchoire est un peu tendue en fin d'entraînement. Inspirez, expirez. Moi, je le ressens souvent quand je parle beaucoup. Ça m'amène à être un petit peu plus sérieuse à la fin ici. Descendez bien les épaules. Pas facile de descendre les épaules parce qu'on a envie de s'installer sur les bras. Allongez un peu. Un peu plus bas, êtes-vous capable? Je suis sûre que vous êtes capable d'aller juste un peu plus bas. C'est pas un concours, mais c'est d'aller plus loin pour maximiser l'étirement. Vous allez sentir dans la fesse aussi. Restez là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une transition. Je vais venir m'asseoir avec vous, juste ici. Puis vous asseoir en indien également, c'est mieux. Descendez les épaules, allongez le cou. C'est des repères que je mentionne beaucoup parce que au niveau de la posture, c'est essentiel de relaxer, d'allonger les trapèzes. On a besoin de penser à ça. Ça va? Vous capable juste de regarder par-dessus votre épaule? On change de côté. Respirez bien. Je vais vous dire un gros bravo d'avoir fait l'entraînement avec moi aujourd'hui. Je vous rappelle aussi la citation de la semaine. L'échec fait partie du succès. Oui, c'est vrai. On vit dans une société qui nous met beaucoup de pression. Et souvent, on a peur de l'échec, mais vaut mieux échouer et réessayer que de ne pas essayer. Descendez les épaules. Est-ce que vos épaules sont en lignée? Est-ce que les miennes le sont? Ça va? Inspirez, expirez. Ça fait du bien. Rappelez-vous toujours de ça. Avant qu'on commence, des fois, c'est tough, mais quand on termine, on est tellement reconnaissant de ne pas avoir lâché, de ne pas avoir abandonné avant même d'avoir commencé. On inverse. Descendez les épaules. Fais mettre la main ici. C'est déjà la fin. Alors, je vous dis, passez une journée magnifique. Merci encore d'avoir été là avec moi. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée magnifique.